Bonjour Dumas. Bonjour. En territoire connu, conquis même à Jonquière. Ah, je suis très, très heureux de revenir à Jonquière. En fait, je viens assez souvent, fait, pratiquement chaque année. Et c'est le seul festival que je fais cet été parce que je suis en studio. Puis quand on a eu la demande, j'ai dit, bon, à Jonquière, allons-y, je peux pas refuser. Surtout, j'avais un super bon souvenir à l'époque, à l'époque que Jonquière Musique était sur la Saint-Do. Ouais. Mais là, ici, c'est un super site. Alors, je suis vraiment très, très heureux sur le bord de la rivière comme ça en plus. On connaît ta relation avec la scène. C'était difficile à refuser cette offre-là de un bain de foule pour te sortir du studio. Absolument, ça fait du bien de sortir du studio. J'avais besoin de jouer avec mes musiciens, mais surtout d'aller à la rencontre des gens. Donc, je suis très excité pour ce soir. J'ai décidé de faire... je veux juste faire des chansons connues. Là. On enligne les vieilles chansons, les chansons que les gens aiment. Le Jonquière a été... le Saguenay a été une des premières places où j'ai un public. Donc, je suis toujours très reconnaissant à l'endroit. Donc, ce soir, c'est un show... c'est gratuit. Là, on va essayer de... on va faire plaisir aux gens. Ce soir, ça nous intéresse. Mais ce qui se passe en studio aussi, ça nous intéresse. Ah oui? C'est bon, ça. C'est bon. Quels sont... tu donnes à ce nouvel album? J'essaie de revenir à quelque chose de plus intimiste, un peu comme à l'époque de mon album Le cours des jours, qui est maintenant peut-être 11 ans, 12 ans, en fait, que le temps passe vite. Mais j'ai aussi mélangé mes influences. J'ai essayé de mettre toute ma discographie dans un blender, puis que ça se transporte un peu sur l'album. Donc, ça va être il y a un côté aérien, en même temps, il y a un côté, le côté dansant quand même important pour moi, parce qu'en spectacle, j'aime ça quand les gens font le party. Donc, c'est un peu tout ça. Puis c'est surtout un album, je pense, plus personnel. Je suis rendu à 35 ans, donc j'essaie de plus me livrer. On a bien hâte d'entendre ça. Mais on peut, depuis quelques semaines, avoir un avant-goût du son de cet album avec la pièce Vaudou. Ouais. Ça, c'est une nouvelle tactique? Bien, en fait, c'est qu'habituellement, j'écris mes textes dernière minute en studio, mais là, j'ai pris de l'avance. Je travaille avec un co-auteur, donc cette chanson-là était déjà avancée. Puis je me suis dit, bon, ça serait le fun de lancer une chanson qui donne un peu une idée de où que l'album s'en va. C'est pour ça que je l'ai fait, puis c'était pour faire un petit coucou aussi aux gens qui me suivent, puis pour annoncer qu'à l'automne, il y aura un album. Ouais. La version studio, on l'aime, elle est géniale. Est-ce qu'on peut goûter à la version acoustique, peut-être? Oui, j'aimerais ça, surtout si tu pourrais faire les bacs avec moi. Un plaisir, okay. Un privilège. C'est parti. J'ai mis mon cœur dans une tête d'oreiller. Deux, noir, pensée vaudou. Deux, noir, pensée vaudou. Je sens venir le changement. I feel it, yeah, I feel it. Ma vie se réveille lentement. I feel it, I feel it. J'ai mis mon cœur dans un baluchon. Je suis parti à Jonquière. Les jours gris, les démons et les gris-gris. Mon cœur s'était gris. Je sens venir le changement. I feel it, I feel it. Ma vie se réveille lentement. I feel it, I feel it. Oh, encore une autre fois. Je sens venir le changement. I feel it. Merci beaucoup. Oh, all right. La suite ce soir. C'est mon premier duo officiel. Hey, c'est super bonne pour vrai, vraiment. Merci. Tu chantes super bien.